C'est une forêt préhistorique typique, avec ses fougères, ses cycasses et des conifères géants qui peuvent atteindre une hauteur de 60 mètres. Ma tente venait d'être saccagée par un gigantesque herbivore nommé le Saurolophus, un animal de 12 mètres de long, le plus grand herbivore connu dans cette partie du globe. Lorsque la nuit est arrivée, je me suis senti envahi par une légère inquiétude. Malheureusement, je n'avais pas d'autre refuge que ma tente. Ça, ce sont des déjections d'herbivores, et non pas de carnivores. La preuve, il y a des aiguilles de pin, des feuilles de cycas partiellement digérées. Mais ça a l'odeur de déjections d'herbivores.